22 novembre 1970 à 22 novembre 2021. Il y a 51 ans, jour pour jour, depuis que la Guinée a été agressée par les impérialistes. À l'occasion de la commémoration de cette date historique, le PDG RDA par son secrétaire administratif a rappelé au peuple de Guinée les efforts consentis par le parti dans l'acquisition de la victoire contre ces impérialistes. En ce jour mémorable du 22 novembre 2021, nous allons célébrer le 51e anniversaire de l'agression du 22 novembre 1970, perpétrée contre notre nation, contre notre État indépendant, par les forces incarnées de l'impérialisme et du néocolonialisme. Ces forces du mal furent vaincues par une nation bâtie et unie sur les valeurs de liberté, de justice, de solidarité. 500 civils ont été tués pendant ce massacre. Le PDG RDA a profité pour la même occasion de rendre hommage à ces illustres disparus. C'est le lieu de rendre hommage à nos illustres devanciers qui, sans relâche, heure après heure, jour après jour, année après année, ont consacré leur vie durant dans la sauvegarde de la nation guinéenne que nous profitons aujourd'hui. Dans son combat qui est depuis toujours d'avoir un état de droit, le secrétaire administratif du PDG RDA demande aux citoyens guinéens de lutter contre le communautarisme, les régionalismes et surtout la politique politicienne. En cette occasion solennelle, nous rappelons les exigences de vigilance et de mobilisation contre tout ce qui peut porter atteinte à la souveraineté de notre nation et à l'intégrité de notre État. Nous voulons véritablement un état de droit par et pour le citoyen, son unité et ses valeurs cardinales. Nous exigeons de combattre sans relâche le communautarisme, les replis identitaires culturalistes, l'ethnocentrisme, le régionalisme, la politique politicienne, le fanatisme religieux et tous les autres fanatismes. C'est pourquoi nous invitons nos concitoyens à la seule réconciliation qui vaille pour notre peuple et sa nation. À rappeler que les organisateurs ont déploré le manque de participation des citoyens à la commémoration de cette date historique.